L'indice CAC 40 accentue ses pertes ce midi, moins 1,3% et se dirige vers une cinquième séance de repli d'affilée. Les valeurs du secteur pétrolier pèsent sur la tendance ce midi. Plus forte baisse du CAC 40 Technip, chute de près de 3%. De son côté, le titre Total cède 1,3%. Airbus ne parvient pas à rebondir après avoir plongé d'environ 20%. En 5 séances et malgré le conseil à l'achat ce matin de la part de la Deutsche Bank. Du côté des hausses, on retrouve Zodiac salué après la confirmation de ses perspectives annuelles. Et puis Saint-Gobain qui résiste au placement sous surveillance négative de sa note par l'agence Fitch. Le conseil d'administration de Danone qui s'est tenu hier a été l'occasion de faire le point sur les perspectives du groupe et Danone a ajusté ses objectifs 2014 visant désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 4,5% alors que le groupe visait jusque-là une fourchette de 4,5% à 5,5%. Par ailleurs, sachez que Danone a défendu le rôle joué par chacune de ses divisions dans sa stratégie, semblant ainsi éloigner la perspective d'une cession de sa nutrition médicale évoqué à de nombreuses reprises depuis près d'un an. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.